Hier, j'ai entamé un roman et je me suis dit que j'allais vous en parler et bien tout de suite, en fait, pour vous dire. Voilà, je le sors en deux secondes. Donc c'est Le ciel est partout de Jean Dineson chez... Oula, les gens se rosent. Chez Gallimard. Bon, je vais faire ça après. Gallimard Jeunesse, et moi je l'ai en format poche. Il prévoit de faire un film, c'est pour ça que je me suis dit, avant de regarder la bande-annonce, ce serait bien de lire le livre. Potentiellement, si on va dans cette dans cette semaine avec les mêmes horaires pendant tout le long de mon stage. Clairement, je vais très vite finir ma pile à lire. Mais c'est pas grave, entre-temps, je pourrais rajouter un livre qui pourrait être intéressant. Peut-être le roman jeunesse, j'avoue qu'il me tente. Ou le petit roman poche. Ce serait plus simple. Donc, vu de ce que ma pile à lire me donne, ce serait bien. Bon. Dans ce roman, on va suivre Lenny, qui est tiraillée entre sa vie personnelle, avec le deuil de la mort de sa sœur, et entre guillemets, avec sa vie amoureuse, parce qu'en fait elle est tombée amoureuse, sauf qu'elle a l'impression qu'elle ne doit pas tomber amoureuse en fait. Elle n'a pas le droit d'être heureuse alors qu'elle n'arrive toujours pas à passer à autre chose depuis la mort de sa sœur, sa grande sœur qui a quand même été tout pour elle. Et on veut suivre dans sa vie, dans son histoire, jusqu'à, je pense qu'elle arrive à enfin passer à autre chose. Alors pour tout vous dire, quand je l'ai commencé hier, ça a été un retournement de situation, j'ai été choquée. Je sais pas si c'est la traduction qui a été voulue de cette manière-là, mais c'est tellement beau. C'est wow, c'est très triste, je vous le dis direct, c'est pas du tout joyeux. Bon, ça parle de deuil, mais la manière dont elle a expliqué, c'est noir, c'est du ciel. Donc clairement, ça va être un coup de cœur. Dès le début, c'est un coup de cœur de toute manière. Vous avez vu tous mes post-it. Donc voilà. Je suis au chapitre 13 en fait, j'ai voulu commencer à lire parce que j'ai fini grave tout mon stage. Sauf que je me suis dit, écoute, lis les trois chapitres tout à l'heure. Parce que là j'ai un mal de crâne et je voudrais qu'il s'arrête en fait. Donc je vais voir ce soir si... Tout à l'heure plutôt, je vais voir si je dois prendre un Doliprane avant. Franchement, c'est une pépite rien que le début. Potentiellement mercredi soir j'aurai fini. Bon. Je sais pas à quelle heure je finis mercredi soir, mais potentiellement j'aurai fini le livre. Fini n'importe quoi. J'aurai fini la première partie, d'où le post-it. Et après j'entamerai la deuxième partie potentiellement. Sachant qu'il y a un week-end de 3 jours, j'avais complètement oublié ce week-end de 3 jours, et ben j'aurais potentiellement fini d'ici dimanche. Tranquille. Par contre, juste, je vais voir en fait avec mes horaires de stage si ça va être tout le temps pareil. Comme hier, c'était ma première journée, j'ai pas trop énervé mon supérieur, tout ça. Donc, mais là, demain, comme en plus on a une sortie. Je vais clairement lui demander
Ou mercredi, on verra, mais en tout cas, je vais clairement lui demander est-ce que les horaires qu'on m'a donnés, c'est les mêmes en fait, pour tout le monde. En tout cas, c'est une chouette équipe. Il y a une fille que je connais de base, donc ça va être super cool. Ça fait très bizarre de la revoir en fait, c'était trop chelou. Et donc. C'est une pépite, on commence déjà. Franchement, c'est magnifique, c'est très beau. C'est très dur à lire parce qu'on parle beaucoup d'œil, d'essayer de passer à autre chose, tout ça. Franchement, c'est. Magnifique. Quoi d'autre? En tout cas, il y a malheureusement le truc que je déteste dans les livres. Enfin, un des trucs que je déteste dans les livres, ça va vite m'énerver. Mais comme elle essaie justement d'éviter ce truc que je déteste, je pense que ça va passer. Et puis, il est magnifique ce livre, donc franchement. Voilà, rien à dire d'autre. Donc, là, j'ai pas grand-chose à vous dire. Nous sommes lundi, ça va. Je suis un peu fatiguée. Hein, je me suis levée grave tôt ce matin, pour tout vous dire. Je suis contente parce que j'ai trouvé un petit logiciel sur mon PC. Franchement, c'est incroyable. J'essaierai en tout cas de vous faire un beau vlog. Déjà, je vous ai fait un moment de lecture. Je vais voir si j'arrive à vous mettre ce moment-là, en tout cas celui qui se passe avant, pour mettre de la musique. On verra bien. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave, je supprimerai. Voilà. Mais je vous dis déjà si au cas où vous avez eu un bug. En tout cas, j'aime beaucoup ce nouveau système, il est bien. Je vais même préparer en avance ma pile à lire du mois de septembre et la mettre déjà en ligne en fait. Parce que je pense que ce serait cool que je la prépare en avance. Comme ça, je suis débarrassée. Et bah, je vais vous laisser. On se retrouvera mercredi soir. Comme je vous ai dit, je ne sais pas à quelle heure je finis, donc peut-être il fera encore jour. Espérons que je pourrai vous faire ce point de vidéo. Sinon, comme je dis, je commence à 11h. J'essaierai de voir si potentiellement je peux vous faire un point le matin. Donc voilà. Ouais. 11h va être une. Jeudi va être une journée très courte. Aujourd'hui, je trouve que la journée s'est passée super vite. Donc. Sachant que la semaine prochaine, ça va être la semaine de 4 jours, parce que lundi c'est un jour férié, c'est l'Ascension, si je m'abuse. Donc on aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et après, il restera une semaine. Donc le mois d'août va passer extrêmement vite. Ce que je redoute le plus, c'est que je ne veux pas en fait. J'étais bien dans mon petit cocon, tranquille. Bon, je vais vous laisser, on se retrouve plus tard. Bye! J'ai malheureusement beaucoup trop traîné sur ce livre. Parce que il me fait trop pleurer. En fait, j'aime pas du tout généralement pleurer. Parce que c'est un truc que je déteste. Et bah, comment vous dire que ce livre a plus de bleu de choses en fait. Et ouais.
Il me fait beaucoup trop pleurer en fait. Ce livre parle avant tout du deuil, bien évidemment, mais surtout de passer à autre chose. Donc, comme je vous ai dit, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur de lire, pour tout vous dire. Je suis à la page 358. Comment vous dire que vers la fin, je pense que ça va être beaucoup mieux. C'est un coup de cœur. Voilà, pour l'instant, c'est le seul qui m'a fait autant pleurer, rigoler, énerver. Donc, je pense que c'est le coup de cœur ultime. Rien ne pourra jamais le détrôner. Bon, peut-être plus tard, si, mais pour moi, c'est impossible, quasiment improbable. Ouais. Ça tombe bien parce que franchement, juste après, je vais lire ça, ce qui va un peu me détendre. Mardi, je commencerai le tome 3 de la trilogie, ce qui est plutôt cool parce que ça va être une dernière vidéo du mois d'août. Et après, on commence le travail et rebelote une vidéo par semaine. Mais je comprends pourquoi il va être adapté au cinéma. Vous dire, ce film est un, enfin, ce livre est un chef-d'œuvre. Je pense que toutes les personnes qui sont dans une situation comme moi ou par exemple comme Lenny devraient lire ce livre. Mais vraiment, quand je dis par moi, ça veut dire essayer de ressentir en fait la tristesse de l'autre personne quand une personne qu'elle aime beaucoup trop est morte. Je vous conseille ce livre. Lisez-le, analysez-le. Vous allez comprendre son chagrin. Je sais pas si vous voyez, mais mes yeux ont rougi de ouf. Parce que ce livre, c'est waouh, je l'ai pas fini, il me reste 5 chapitres. Attends, 5, 6 plutôt. Attendez, 33, 39, ouais, 6 chapitres pour être exact. Et comment vous dire que. En fait. Tout simplement. Faut dire que. Attendez, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc je disais, il faut dire que quand même, ce livre, je vous avais dit dès le départ, quand j'ai commencé à lire, je vous avais dit que voilà, il allait être plus triste qu'on ne le pensait. Et depuis quelques temps, en fait, j'essaye d'alléger ma lecture. Ça veut dire de lire qu'un chapitre par jour parce que je sais que je vais énormément pleurer au point que je vais plus m'arrêter. Bah, c'est ce qui vient de se passer, pour tout dire. Je me suis fait spoiler moi-même la fin. Parce que j'arrivais pas. Donc je sais ce qui va se passer d'une certaine manière. Un événement particulier, c'est tout. Après la fin, fin, fin. Non. Je sais pas comment elle va continuer d'avancer. Donc on verra bien. En tout cas, je pense que ça va être le coup de cœur ultime. Si vous ne savez pas, si vous ne suivez vraiment pas les chaînes YouTube, Audrey, l'influenceuse littéraire young adulte la plus connue, elle a enfin eu ses 100 millions. Ouais, 100 000. Enfin bref. Franchement, on est trop fiers d'elle.
Donc, si vous voulez être conseillé par la young adulte, mais qui parle beaucoup de deuil, de maladies psychologiques ou physiques, de féminisme, de romans feel good, un peu de romance, voire un peu vite fait, je vous conseille cette influenceuse. Il faut savoir qu'Audrey n'est pas aussi fan qu'on ne le croit de la romance. Elle aime quand il y a un peu de romance, un peu de fantaisie. Mais généralement, plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'elle lit des livres qui sont soit inspirés de faits réels, soit inspirés de faits de la vie, entre autres. Par exemple, on peut prendre celui-là. Ça pourrait arriver, cette histoire, ça pourrait arriver à n'importe qui. J'avoue que j'étais très énervée au bout d'un moment, ça m'a grave énervée, mais voilà. En tout cas, vraiment, je vous conseille à 1000% ce livre. Vraiment. C'est. Franchement, c'est. Plus vous savez pas, mais genre derrière, il y a un petit texte, c'est écrit. Et il y a quelques années, j'ai, comme l'ennemi perdu, quelqu'un de très proche. Ça m'a donné envie d'explorer les subtilités de la douleur, mais à travers une histoire d'amour. Donc. Voilà. J'ai imaginé un livre où la joie et la tristesse se mélangent jusqu'à ce que l'amour pèse autant que le chagrin. Vraiment, je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. Je pense que ce livre n'est pas assez lu. De toute façon, demain, quand j'aurai fini le livre, je vais regarder la bande-annonce. Je vais vous donner mon avis. Et en fait, par rapport au personnage en fait choisi, il faut juste que j'essaye de retrouver. Déjà, j'espère que c'est vrai. Déjà, j'espère qu'il est sur YouTube parce que je l'avais vu que sur Internet à un moment donné en fait. Et en fait, je l'ai pas regardé. Comme vous le savez, je veux juste voir comment qu'ils ont choisi pour jouer le rôle de Lenny. C'est tout. Parce que je la vois brune, grande, pas totalement fine. Je suis un pétard un peu bouclé, ondulé. Des yeux marrons, classique quoi. J'avoue que s'ils choisissent une femme un peu ronde. Ça change un peu du cliché, vous savez. Bon, c'est pas grave, demain je terminerai le livre, je vous en parlerai. Je vous dirai ce que j'ai pensé. Ensuite, le soir, je lirai un manga pour m'apaiser un peu. Le lire d'un coup, hein, parce que maintenant, je commence à 9h et finis à 17h. Et mardi, je commencerai celui-là. Ça va être un avis de lecture sur la trilogie que je posterai. Je vous dis ça comme ça. En tout cas, j'ai très très hâte. Ça va un peu me changer de l'histoire triste. Et peut-être que je vais rajouter un livre dans ma pile. Je suis pas sûre à 100%. Je vais voir. Ça dépendra en fait combien de temps je prends. Je vais lire le tome 3. Et. En fait, je vais voir. Si je vois qu'avant, enfin, le dernier jour où je dois poster la dernière vidéo, entre guillemets, enfin, ma dernière vidéo, si je vois qu'elle est possible d'être postée, ok, sinon je changerai vidéo. Je ferai autre chose. Je vous montrerai comment j'aime mes livres. Ou mes sagas de manga. Où je vous montrerai à chaque. Il y aura combien de tomes. Le tome où je me suis arrêtée et ainsi de suite. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve demain soir, enfin demain après-midi, pour clôturer ce vlog. Bye! Voilà. Je l'ai fini. Comment vous dire que. Ouais, j'y pensais vraiment pas que j'allais le finir.
Je peux vous faire un résumé. Donc, et un résumé, un avis, voilà. Donc, comme vous savez, depuis maintenant un peu plus de 10 jours, je lis Le ciel est partout de Jandy Nelson chez Gallimard Jeunesse, mais moi je l'ai acheté en poche et je pense qu'il n'existe plus en grand format. Donc, désolé. En fait, on va suivre Lenny, Léonore Johnson, si vous voulez, Lenny. Léon Johnson, enfin bref, qui est partagé entre l'amour d'un garçon et le deuil d'une sœur. Elle essaye de comprendre en fait ce qu'elle fait. Elle essaye d'avancer plus particulièrement, mais elle n'arrive pas en fait. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas. Alors petit à petit, elle va faire plein de bêtises jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est tombée amoureuse en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle essaye un peu de se détacher de ce deuil au fur et à mesure. Je crois que... Ouh, j'ai eu peur. Oh, excusez-moi, je bouge dans tous les sens. Je crois que c'est bah, hier que je vous ai dit que ça allait être un coup de cœur ultime. Donc oui, c'est un coup de cœur ultime en fait. Rien ne peut égaler ce roman. Pour l'instant, rien. J'ai quand même lu Qui est tu à Alaska hein, de John Green. Ce livre m'a prisé de tout, tout, tout. Je ne sais vraiment pas pourquoi il n'est pas assez vu, pas assez lu, pas assez partagé, parce que franchement, il m'a ému. Savoir qu'il y a plein de livres qui m'ont fait pleurer, vraiment. Mais lui, je me suis pas arrêtée. J'avais tellement peur de rentrer dans le... En fait, au bout d'un moment, j'ai dû ralentir mon niveau de lecture parce qu'à chaque fois que je continuais, enfin, je commençais un nouveau chapitre, et ben, je savais que j'allais pleurer. Ça me faisait très peur parce que c'est dur. Franchement, je pensais pas. En tout cas, personnellement, moi, attention, tout le monde, tout le monde ne peut pas apprécier, bien évidemment, tous les romans, ce qui est totalement logique. Mais je pense que franchement, si vous voulez pleurer, prenez celui-là. Clairement. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai failli acheter d'autres livres, mais au final, je me suis réfrénée. J'ai dit, écoute, c'est pas le moment. J'en lirai quand je serai sur Paris. Enfin, je les achèterai quand je serai sur Paris, tant mieux. Pour le mois de septembre, en fait. Les suites de saga que je vais continuer au mois de d'octobre, tout ça, ainsi de suite. Mais en tout cas, je vous conseille à 1000%, ça a été une pépite. Franchement, allez voir la chaîne YouTube de Audrey, Le Souffle des mots, mais vraiment, allez, allez-y. Franchement, vous pouvez être sûr à 100% que. Si vous regardez ces vidéos et vous voyez qu'à peu près c'est presque le même style de lecture que vous lisez, vous pouvez être sûr à 100% que l'avis qu'elle va vous donner est vrai. Et vous allez penser la même chose. Pas à 100%, bien évidemment, parce que Qui est-tu Alaska l'a adoré. Moi je l'ai adoré, mais ça m'a pas fait pleurer autant que je croyais par rapport à celui-là. Mais voilà, quand elle vous donne un avis négatif, bien évidemment, lisez-le pour voir si c'est pareil. Mais juste après, bah, je vais voir la bande-annonce. Comment ça, je ne vais pas l'ancrer dans ce vlog, mais je vais regarder la bande-annonce de ce roman. Je vais voir si elle est bien. Et peut-être en barre d'infos, je vous dirai si j'aimais la bande-annonce du film. Bon, bah, c'est tout.
pour ce vlog lecture. Ça y est, j'ai enfin terminé. Juste après, ce soir, je lirai un manga et après, je commencerai ma petite enquête. Et d'ici là, peut-être que je lirai un autre roman. Qui sait? Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bye! Attendez, on va se prendre en photo.